quand j'ai créé Michel Vaillant, j'avais peut-être une trentaine d'années, vous me voyez très bien, moi, Michel Vaillant, hein, vous voyez très bien un pilote de course, hein, j'avais le dynamisme et tout, puis les années ont passé, je suis devenu Jean-Pierre Vaillant, je suis devenu le meneur d'œuvre, le chef d'équipe, et puis les années passant encore maintenant, je suis le père Vaillant. Hein, j'ai l'âge du père Vaillant, ma femme me dit que j'ai un foutu caractère comme le père Vaillant. Donc vous voyez, j'ai suivi mes personnages, malgré moi, de cette façon. Alors j'ai 80 ans, je vais pouvoir prendre ma retraite. Alors moi j'ai eu une jeunesse heureuse à Nantes, avec mon père, ma mère. J'étais fils unique, donc ils s'occupaient entièrement de moi. Et je garde de bons souvenirs de cette période d'avant-guerre. Ma mère travaillait chez elle comme couturière pour augmenter le budget familial et mon père travaillait comme employé dans une compagnie électrique. Mon père organisant des courses de moto dans la région, dès que j'étais tout gosse, 4 ans, j'étais déjà dans les box, dans les stands, à respirer l'odeur d'huile de ricin, que je considère comme l'odeur de ma jeunesse. Et c'est à cette époque aussi donc que mon père, bien qu'il n'aimait pas la voiture, m'emmenait aux 24 heures du Mans. Et c'est aux 24 heures du Mans que j'ai découvert la passion de la course automobile. 49 bolides de diverses cylindrées s'élancent pour tourner pendant les 24 heures du 14e Grand Prix d'Endurance du Mans. Les conducteurs doivent faire preuve à la fois d'une virtuosité et d'une endurance remarquables. À côté des as français Vimille, Sommer, Benoît, Chiron, Dreyfus, nous trouvons les meilleurs spécialistes anglais et allemands. La nuit tombe doucement, un à un les phares s'allument, et lorsqu'ils s'éteignent avec le jour naissant, l'équipage Vimille, Benoît augmente sans cesse son avance, et pulvérisant le record de l'épreuve que détenait Sommer Nuvolari, enlève le Grand Prix des 24 heures du Mans, ayant couvert 3288 km à près de 137 de moyenne. J'ai fait un petit retour en arrière, un flashback pour voir la première Vaillante au Mans conduite par le père Vaillant. Je ne sais plus quelle année exactement, mais si ça devait être à cette époque-là. Oui, il avait construit lui-même sa voiture. Il commençait comme constructeur et depuis, c'est pas trop mal défendu. Je me rappelle une année, j'étais assis sur la moto entre mon père et ma mère. Il faisait un temps déplorable, il tombait à verse, et je vois à côté de moi un capot qui arrive, qui n'en finit plus. C'était une splendide Mercedes de l'époque, avec un petit toit pour le chauffeur et puis deux places à l'intérieur pour monsieur et madame. Et je me rappelle que la dame a baissé sa fenêtre, elle m'a tendu un chocolat. Hein, pour dire pauvre petit garçon qui doit souffrir comme il est malheureux, où elle a toujours un chocolat. Et comme j'avais été bien élevé, j'ai dit merci madame, mais je me disais non, ce que je voudrais, c'est ta bagnole, c'est ta Mercedes. Et je me suis dit le jour où je pourrai, j'aurai une Mercedes. J'ai fini par avoir deux cabriolets Mercedes, ça s'est quand même réalisé. J'ai pas eu de chance dans ma jeunesse, parce que 8 jours avant ma communion, j'ai perdu ma mère. Donc c'était une très très triste période, mais heureusement, mon père, il s'est bien occupé de moi, on a vécu à nous deux, entre 1934 et 1939, date à laquelle il a été mobilisé, et fait prisonnier quelques mois plus tard. Alors je me suis de nouveau retrouvé seul. Alors toute la guerre, je l'ai passé à travailler sur les bateaux, dans les soutes, dans le mazout, dans le... C'était pas drôle. Une des explications sans doute du succès du retour de Steve Warson, qui est un album noir qui se passe dans le port d'Amsterdam, où on
dans le crachin, dans l'huile, où on entend les poulies qui grincent, où on a affaire à des truands. Une des explications, c'est sans doute que mon père a bien connu ce milieu à Nantes, du côté du quai de la Fosse, à l'époque où il travaillait au chantier naval, où il s'appelait pas Jean, mais où il se faisait appeler Jeannot, où il se coiffait en arrière avec de la comina, où il jouait au couteau, dans les bars. Et heureusement, il y a eu le sport et l'armée. À mon avis, ça l'a sauvé, parce que là, il était parti pour un film noir, un très mauvais scénario. Mais en revanche, il s'était vite rendu compte que vivre de son dessin à Nantes, ce serait pas possible ou pas facile. Je crois qu'il a fait de la pyrogravure, de souvenirs bretons sur bois, pendant un an ou deux, puis il a vu qu'il allait devoir trouver autre chose. Alors, je devais monter soit à Paris, soit à Bruxelles. Paris, je connaissais personne. Et à Bruxelles, j'avais ma chère tante Alice, qui a pu m'accueillir ici, et c'était très utile à mes débuts. Quand il est arrivé à Bruxelles, il a commencé à essayer de fourguer ses dessins à des agences de publicité, ou à des rédactions, ou des choses comme ça, la journée. Et le soir, il suivait des cours de publicité. Un jour, je suis tombé à ce qui était la World Publicité Press. Je monte, je me présente, et je me rends compte qu'en réalité, c'était le bureau de dessin de Spirou, celui où on faisait surtout les oncles Paul. Et en plus, c'était un vendredi 13. Et le gars qui me reçoit, Jean-Michel Charlier, voyant mes petits dessins du journal, me dit « Et est-ce que la bande dessinée vous intéresserait ?» Alors moi, je tombais des nues, et puis j'ai dit oui. Lorsque Jean Graton se lance dans la bande dessinée, dans les années 50, il est dans la bonne génération. Il a pris le train en marche juste au moment où il faut. La bande dessinée connaît un boom en Belgique et en France aussi. Disons, elle avait déjà trouvé ses fondements en France et en Belgique dans les années 30, notamment avec Hergé. Et effectivement, Jean Graton a commencé à dessiner des histoires en quatre pages pour le journal Spirou, des histoires relativement édifiantes qui étaient censées donner un sens moral et civique aux petits lecteurs. Nous, à cette époque-là, on ne dessinait pas très très bien, on le voit du reste dans les dessins de l'époque, mais on était payé pour apprendre à dessiner. Alors on en faisait les oncles Paul, j'en ai peut-être fait une trentaine, puis un beau jour, chez Dupuis, il y en avait trop. Il dit stop, on arrête pendant un moment. Bon, me blâche chômeur. Et comme on fait dans ces cas-là, j'étais voir en face, et j'étais chez Tintin. Et là, j'ai pu attaquer des scénarios d'histoire sportive. Tous les champions cyclistes, champions automobiles, joueurs de rugby, c'était mon truc. Quand le rédacteur en chef du journal Tintin m'a dit « Maintenant, vos histoires, ça marche très bien, il faut nous proposer une histoire à suite, donc une histoire longue, pour faire des albums, qu'est-ce que vous nous proposez comme héros ?» Là, j'étais un peu pris de court, parce que des héros, il y en avait sous toutes les formes. Et j'ai pensé à un pilote de course. Et c'est à ce moment-là qu'en face de chez moi, il y avait un architecte avec ses deux fils qui faisait du trial motocycliste. Le plus jeune des fils s'appelait Michel. Alors, paf, ça fait, j'ai dit, mais je vais transposer ça à la voiture et je vais faire une famille où il y aura le père, les deux fils, je mettrai la mère aussi parce que moi j'aime bien la famille. Alors, vaillant, voiture, vaillante. Les héros, habituellement, arrivent de nulle part. Ils tombent sans attache et on ne sait pas d'où ils viennent. Et surtout, ils ne doivent pas se trimballer une femme, des enfants, des trucs. C'est des personnages, ce sont des électrons libres. Michel Vaillant, et pour ça il tranche dans l'histoire de la bande dessinée des héros, c'est vraiment caractéristique de Michel Vaillant. Michel Vaillant arrive au sein d'une famille.
Mon père s'est marié en 1959. J'ai eu trois fils, Jean-Claude, Gurval et Philippe. Jean-Claude qui est dans le milieu des courses de chevaux en fait, puisqu'il est pronostiqueur hippique. Et Gurval, lui, a fait toute sa carrière dans la restauration. Il a été cuisinier, maître d'hôtel dans ses grandes maisons, et aujourd'hui il est traiteur à son compte. Philippe est né en 1961. Chez Jean Graton, il s'agit surtout d'un réalisme social. Il ancre toutes ces histoires dans une proximité sociale qui est vraiment celle du lecteur. Quand on pense à la famille Vaillant, par exemple, c'est un petit Français tout à fait moyen. Bien entendu, les Vaillants vont construire un empire industriel, un empire financier probablement aussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Il va un peu dépasser ce stade-là. Mais ce qui faisait le charme des histoires de Michel Vaillant dans les années 50, c'était qu'il était vraiment très proche de la population qui lisait les histoires de Michel Vaillant. N'oublions pas le grand défi, qu'est-ce que c'est? C'est un petit Français qui a le culot d'aller porter la compétition jusque dans la cour du tout grand, l'adversaire américain bien entendu, et qui va le battre. C'est souvent l'histoire du petit David contre le grand Goliath, et ça marche toujours très bien auprès des lecteurs, ce genre de scénario-là. Et ça a marché particulièrement bien avec Jean Graton. L'éditeur Raymond Leblanc m'appelle et me dit « Graton, je vois ce que vous faites dans le journal depuis quelque temps, c'est formidable, vous êtes un dessinateur de talent, vas-y que je t'en remette. » Il me dit « Si vous signez un contrat d'exclusivité chez nous, je vous assure que dans 5 ans, vous roulez en Ferrari. » Et j'ai signé, et 5 ans après, je roulais en Ferrari, il m'avait prêté la sienne. Et vous savez, en plus de ça, c'était une Ferrari d'éditeur, un cabriolet, décapotable, couleur or. Il me l'a prêté pour aller au Mans, du reste. J'étais gêné dans cette voiture. Nous partîmes 50 et par un coup du sort, nous n'étions plus que 20 en arrivant au port. C'est ainsi qu'au grand siècle, on aurait compté l'histoire des 24 heures, mais puisque nous ne sommes qu'au siècle de l'automobile, disons simplement que le déchet a été cette année particulièrement significatif. Au départ, les concurrents sont pourtant tout feu tout flamme. Mais dès la troisième heure, l'abandon de Stirling Moss laisse entendre que la course des coups de théâtre ne faillira pas à sa réputation. Heureusement, la kermesse fournit une excellente position de repli et la gourmandise console par avance Trintignant de ses prochains déboires au virage de Mulsanne. Cependant, la Ferrari de Jean Debien et Hill, qui s'était installée en tête dès la troisième heure, allait réussir à tenir bon jusqu'au bout. Vainqueur de la plus dure des épreuves du Mans, le Belge Jean Debien se hisse au niveau des plus grands champions du moment. Au début, Michel Vaillant a fait ses toutes premières courses contre des pilotes fictifs. Et puis, mon père s'est rendu très vite compte qu'il n'irait pas très loin comme ça. Et il fallait ancrer Michel Vaillant dans la réalité. Je crois que les premiers pilotes à apparaître dans Michel Vaillant, c'était les frères Bianchi, parce que Lucien Bianchi est un des premiers à avoir aidé mon père, à lui avoir donné des indications techniques, des commentaires, et ça aussi, ça a fait Michel Vaillant.
è una gratificazione enorme essere presente in un fumetto di Michel Vaillant. Soltanto i più famosi piloti del mondo sono riusciti a entrare in un fumetto di Vaillant, e questo mi ha fatto veramente molto piacere, un po' una consacrazione. Con orgoglio che faccio vedere, per esempio, le mie bambine, che il loro papà ha avuto anche un disegno nei fumetti così famosi, ed è strano per una bambina vedere il proprio padre magari riprodotto in un fumetto, in un giornale, in un settimanale. Allora erano più carini dal vero e forse sono venuti male nel disegno. Io ero un disastro dal vero, quindi sul disegno sono venuto un pochettino meglio. Comunque, sì, devo dire che era venuto abbastanza bene. La Vaillant era una marca che correva in Formula 1, nelle sport, nei rally, c'era il figlio del costruttore che correva e poteva ricollegarsi un po' anche alla storia di Enzo Ferrari, che avrebbe voluto magari avere qualcuno in famiglia che poteva guidare le sue macchine. Era molto affascinante come storia. C'est évident que personne n'a jamais dit non, et moi moins encore à l'époque, parce que c'est vrai que c'était comme rentrer un petit peu dans la rousse, hein, je veux dire, c'était un petit peu ça, être dans les aventures de Michel Vaillant. Les contreparties, c'est que vous ne gagnez pas souvent, mais en tous les cas, vous en faites partie. Je me demande si je ne suis pas celui qui a été peut-être le plus assidu à travers du temps, quelque part. Mais ça, il y a aussi des liens viscéraux qui sont les liens de nationalité. On a tous nos fiertés. Mais oui, si je relis une aventure et que je me trouve dedans, bon, ça satisfait mon ego. Oui, c'est vrai. Ah oui, j'ai beaucoup d'atomes crochus avec François Sauvert parce que c'était un fan de Michel Vaillant. Et évidemment, ça nous a rapprochés l'un de l'autre. Et j'ai eu l'occasion de le voir de temps en temps. C'était même un des pilotes que je voyais en dehors des circuits, quand il venait à Bruxelles ou ailleurs. J'étais ici en train de le dessiner dans une histoire. Et un samedi après-midi, ma femme m'a appelé du téléphone d'en bas en me disant, Jean, écoute, c'est ce nouvel. Ce verre, c'était au Canada. Alors j'ai enlevé, j'ai gommé ce que j'avais fait pour mettre quelqu'un d'autre à la place. Petit à petit, j'ai mis tout à temps d'autres personnes. Même Jacques Chirac, hein, qui sont passés dans les histoires. En réalité, j'ai découvert le sport automobile en lisant Michel Vaillant quand j'avais 8, 9, 10 ans dans le journal Tintin à l'époque et puis dans les albums. Et c'est vraiment devenu une passion particulièrement envahissante. Même ma vocation de journaliste, parce que j'ai jamais eu vraiment la vocation de piloter, mais la vocation de journaliste, c'est aussi dans la bande dessinée que j'ai découvert Gérard Crombach, Bernard Caillé, les Stéphane Collaro, les journalistes de l'époque. Jean Graton, très gentiment, m'a dit « Est-ce que ça ne vous embête pas, Stéphane? Est-ce que vous accepteriez d'être dessiné dans un album de Michel Vaillant ?» Je dis, mon cher Jean, c'est un plaisir et un honneur. Parce qu'on parle souvent de mes Coco Girls, etc. Mais on ne parle pas des Girls de Jean Graton. Je ne sais pas par qui il est inspiré, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jolies filles en plus dans ces albums. Très, très pulpeuses et très sexy.
je suis un tendre. Lui, c'est Vaillant, moi, c'est X. Ce qui a fait sa force, à mon avis, et qui en a fait un champion d'exception, c'est indiscutablement le fait qu'il est capable de conduire tôt. C'est un pilote d'une autre génération qui, même encore à l'heure actuelle, n'a pas dû se spécialiser. Il est spécialiste en tout. S'il y a une chose à dire de lui, c'est son éclectisme. Hein. Il peut tout faire. Il peut tout faire avec succès. Quand je dis qu'il gagne toujours, c'est pas exact. C'est toujours une vaillante qui gagne. Ça, c'est déjà un petit peu plus précis. Mais, donc, quoi qu'il fasse, quoi qu'il touche, il a avec de son talent d'une part, puis avec son bureau d'études après, ils arrivent à produire et les meilleurs pilotes et les meilleures voitures. Je ne suis pas un dessinateur dans la bande dessinée, je suis un dessinateur dans l'automobile. Je suis le dessinateur de bande dessinée de l'automobile et c'est ça mon créneau. Jean Graton ne peut pas se permettre la moindre erreur dans le placement des drapeaux ou du décor d'un circuit. Il ne peut pas se permettre la moindre erreur dans la construction d'une automobile parce que c'est un type de bande dessinée qui est lu par des fanatiques, par des gens qui sont sur le circuit, par des gens qui collectionnent les photos, qui lisent et qui repèrent la moindre erreur. Un dessinateur comme Jean Graton ne peut pas se permettre ce genre d'erreur-là. Ah, quel pognon ça doit rapporter toutes ces pubs dans la bande dessinée. On met les publicités qui se trouvent sur les circuits à cette date-là, sur les voitures à cette date-là. Donc, c'est vraiment presque un travail de journalisme dans lequel on amène une histoire de fiction et quelques héros qui n'existent pas. 100% des photos, j'en ai faites. Un petit appareil pas compliqué hein, qui faisait 50 photos. Qu'il fallait pas régler, c'était un petit Olympus, et comme j'avais pas besoin de photos artistiques, je photographiais tout ce qui me tombait sous la main. Mais les mille pistes, c'est aussi l'occasion de faire des rencontres quelque peu inattendues, et si l'on préfère, l'occasion d'aller de la fiction vers la réalité. Michel Vaillant, Jean Graton, qu'est-ce qui vous plaît sur le plan du dessin dans le rallye des mille pistes? Le décor d'abord. Et puis enfin, il faut avouer que c'est un rallye exceptionnel, ces routes de terre, c'est très spectaculaire. Et pour quelqu'un qui, comme moi en bande dessinée, aime faire des voitures qui bougent avec beaucoup de mouvements, de vie, d'action, je trouve que c'est l'endroit idéal. Était sans arrêt sur les circuits, il se renseignait et finalement, Michel Vaillant a évolué dans la réalité à toutes les époques. C'est une histoire de la course automobile. Oh.
c'est vraiment révélateur de la personnalité du dessinateur. Mais je l'ai toujours connu comme ça, curieux de tout, voilà, curieux de tout et du détail. C'est ce qui fait la qualité de son dessin. Jean Graton est un précurseur. Il offre avant l'heure des vues, du cockpit. Pour y arriver, ben, il a fallu attendre 20 ans. Oui, bien 20 ans, peut-être même un peu plus. C'est évident qu'il a tenu compte dans ses histoires de l'évolution de la technique, du sport, des tours moteurs, de nombre de changements de vitesse, des positions, de l'aérodynamique et tout ça. Ce n'est qu'après quelques années où les voitures sont devenues beaucoup plus difficiles à dessiner, parce qu'on voyait les moteurs et tout, et que moi-même je suis devenu un peu plus exigeant de ce que je faisais, que je me suis rendu compte que tout seul, c'était trop. Alors j'ai commencé à prendre un collaborateur, qui au bout de 5 années est parti vivre de ses propres ailes, et puis d'autres qui se sont succédés, si bien qu'au fil des années, il y a peut-être une 15aine de garçons qui ont travaillé pour moi. En ce moment, il y en a plusieurs. C'est une toute petite équipe de collaborateurs formés par Jean Graton qui compte actuellement Christian Lipens, Daniel Boucher, Guillaume Lopez, Frédéric Poels et Christian Papazoglakis. Frédéric fait de la mise en page, prépare le lettrage et s'occupe de la conception, avec Philippe du reste. Pour chaque case, j'écris d'une part un descriptif de l'image et de tout ce qui doit être dessiné, et d'autre part les textes qui doivent être lettrés, qui sont dits par les personnages ou qui apparaissent dans les bulles. Ben oui, je travaille encore. Et ça ne me déplaît pas, hein, même de travailler sur des crayonnés des autres. C'est plus un jeu. Les croquis que Christian a fait, Frédéric, les pousse. Et avoir les mettre à l'angle qu'il me les montre. Hein, ça, il faut quand même que le vieux puisse jeter un petit coup d'œil dessus et je retouche certaines imperfections, certaines choses qui me paraissent un petit peu... Et alors, ils font la mise à l'encre et moi, j'interviens de temps en temps. C'est moi qui ai créé et qui dessine la tête de Vaillant. Pour un autre, c'est pas aussi simple. Donc j'aime à peu près tous à les dessiner. Kramer, c'est facile à faire. Il y en a qui sont plus faciles à faire que d'autres. Oui, c'est presque Vaillant le plus difficile à faire. Parce qu'il faut qu'il soit... Michel Vaillant doit rester Michel Vaillant, et c'est un personnage un peu comme un emblème qui peut faire un tas de choses, mais dont les qualités doivent être préservées. Et ça limite un peu le champ d'action, les gags possibles. Tandis que Steve Warson, lui, il n'y a pas de problème. Il fume, il boit, il drague, il peut faire des âneries, il peut même trahir, il revient, il permet. Pour un scénariste, c'est un personnage très précieux.
Moi, je suis impressionnée par la fraîcheur de ces mises en couleur. Je pense que vous vous rendez compte, on passe d'un cartouche rose, un cartouche rouge, et puis un cartouche jaune. Enfin, il y a une fraîcheur là-dedans. Je trouve que quand on est devant une planche comme ça, on voit les pots de peinture. J'ai l'impression de voir tous vos pots de peinture. Ah oui. On faisait les mélanges de gouache dans des pots. Et alors, tout de même... Mais je ne me rappelle pas combien de temps j'ai pu mettre pour faire ça. Pas moins, une journée. Tiens, ça te fait penser, dans le Cairo, on les a habillés de cette couleur-là, le Team Vaillant, les pantalons. Ah ben voilà, j'avais pas fait... Parce que justement, on cherchait un autre bleu et on avait parlé d'un bleu un peu plus gris, un peu plus délavé. Alors on a fait ça. Et ben voilà, vous voyez comme quoi tout revient. Hein. C'est les couleurs, les modes, tout revient. Quand je suis arrivée donc chez Graton Éditeur, moi j'ai une formation de graphiste. Et il y a un peu que les choses ont avancé. J'ai abordé le travail de Jean, mais de manière tout à fait différente. Philippe s'occupe des scénarios, des reportages, Jean des dessins, etc. Mais moi, avec ma formation et mon expérience, je trouvais en parcourant ces albums qu'il y avait vraiment des pages qui tenaient de l'œuvre de l'artiste. Et donc, j'en ai parlé à Philippe en lui disant qu'à mon avis, ça valait vraiment la peine de faire ce portfolio, et c'est une volonté que j'ai eue de dire je voudrais un format pop art, vraiment qu'on mette ça en très très grand pour qu'on voit le travail au pinceau, la qualité du dessin, la composition, enfin, qu'on regarde ça comme un tableau. Quand vous voyez une planche en cours de réalisation avec la voiture qui est parfaitement dessinée, la route, le décor qui est bien placé, mais sur laquelle il n'y a pas encore ni les lignes de vitesse, ni le bruitage, c'est statique. Ça ressemble à rien. Et dès que mon père rajoute les lignes de vitesse et les bruitages, c'est du Michel Vaillant, et vous la prenez en pleine poire. En fait, je peux vraiment dire que je dois ma carrière à Jean Graton, puisque c'est en fait à l'âge de 3 ans mon premier contact avec Michel Vaillant, qui m'a inculqué le virus de la course, le virus de l'automobile. Je ne suis pas devenu Michel Vaillant, il était trop loin. Et j'ai décidé d'exercer mon métier dans le milieu de l'automobile en devenant designer. Et c'est depuis 30 ans que je dessine des Vaillantes pour commencer, puis ensuite j'ai fait quelques incartades. Je crois qu'en fait les Vaillantes pour moi c'est des voitures, je les qualifierais d'abord de félines. Des voitures qui ont une extrême stance, comme on dit en anglais, elles sont bien posées sur le roues, bien campées, prêtes à bondir. Il suffit de regarder les Vaillantes, elles bougent déjà, elles sont vraiment en train de vibrer. Est-ce que tu as déjà entendu la pochette de disque de la bande originale du feuilleton télé? Vite, vite, encore, plus vite. C'est la vie qui tourne et qui s'enfonce. Moi, je te quitte et à te lâcher la main. Mais tu verras qu'un jour, toi et moi, pour toujours, on s'aimera. Parfait. Michel! Je voudrais te demander, tu peux me faire faire la reconnaissance du circuit? Bon d'accord, mais alors on y va tout de suite. Ok. Et là, tu te mets au bord du trottoir, tu prends la corde tout de suite. Le pied dedans en seconde, tu te laisses déporter jusqu'à la sortie. Tu as le temps là. Bon, tu finis ton casino, tu passes la bosse en banque en rebancage, tu finis près du rail. Là, tu as 150 mètres de ligne droite. Toujours le pied dedans, tu freines. Moi je trouve qu'il y a une plaque d'égout que tu vois au milieu. Tu feras n'importe la plaque d'égout. C'est le virage dit Mirabeau, c'est en droite, pas compliqué, légèrement dérapage.
Et c'est tout droit à fond, jusqu'à l'épingle de la gare. Tu freines, tu l'attaques très à l'extérieur de l'épingle de la gare, pour pas toucher le trottoir avec ta roue arrière. Tu balances la bagnole, attention à pas accélérer trop tôt, quand tu vois que tu es presque sorti, tu accélères pour faire partir l'arrière, tu t'aides à tourner, tu as fini la gare, tu prends le premier à droite, alors là, toujours dans la même vitesse, tu es en première, tu balances la bagnole, plein pot, tu montes sur le trottoir, c'est fait pour ça, boum, deuxième, et là, c'est plein pot, troisième, quatrième, au milieu du tunnel, jusqu'à la chicane. Oui, disons que le tournage s'est fait sur des courses réelles, donc avec des pilotes en activité à l'époque, des pilotes de chez Alpine, José Ronaldeschi, avec Le Guélec, qui faisait le frère de Michel Vaillant, avec des pilotes qui couraient dans les mêmes formules que moi, Beltoise, Sévère, Schlesser, on le voit, Servoz-Gavin, et c'était en conditions réelles, donc on profitait de mes courses pour faire le tournage en direct, et on a rajouté certains éléments de comédie quand le temps le permettait ou quand c'était possible. Monaco, dans le calme idyllique, une fois l'an, est déchiré par le hurlement des moteurs de compétition que rejettent les grandes montagnes qui entourent cette principauté de Rennes. Jacqueline, comment allez-vous? Si Francesca avait su. Dans les gens que je rencontrais, après, qui me connaissaient comme Michel Vaillant, on m'a demandé plusieurs fois qui me doublait dans la voiture. Donc il est certain que la notoriété apporte la télévision, à l'époque, était plus importante que la notoriété que pouvait apporter un titre de champion de France en course automobile. Voici Michel Vaillant qui s'arrête maintenant à son stand. Oui, Reims est un pur circuit de vitesse et c'est ce virage à droite très aigu du Tillois qui nous ramène à la zone de départ sur laquelle nous nous trouvons actuellement. Les meilleurs souvenirs que je garde du tournage, c'est plus des souvenirs de rencontres et d'amitié avec des personnes qui tournaient avec moi, par exemple avec un caméraman, Patrice Pouchet, avec le preneur de son. Aussi, les meilleurs souvenirs, c'est quand je gagnais la course et qu'on en profitait pour tourner. Mais l'inverse était pareil, c'est-à-dire qu'on m'a obligé à Monte Carlo alors que j'étais sorti de la route et j'étais assez triste d'avoir gâché ma course. Après la course, de défiler dans la foule, un bouquet de fleurs à la main, comme si j'avais gagné. Ça, c'est un peu dur pour un pilote. Hein. Premier, Michel Vaillant sur Alpine Vaillant, 24 tours en 39 minutes 47 secondes, 2 dixièmes, moyenne 113, 626 à l'heure, c'est sensationnel. C'était la productrice, Madame Osso, qui écrivait les dialogues. Et souvent, le matin ou deux minutes avant qu'on tourne, elle écrivait les dialogues et les scénarios. C'était vraiment de la course à tout point de vue. Ah, tu en as de la chance d'être la nièce du président d'Automobile Club de Milan. Tu as tous les pilotes à tes pieds. Mon oncle m'a appelé vous inviter toutes les deux au cocktail de l'AC. Non. Mm-hmm. Ces pilotes qui risquent leur vie à 300 à l'heure me fascinent. Tu n'es pas la seule. D'après vous, quel est le pilote qui a le plus de chances de gagner? Certis? Moi, je pencherais pour Léger. Il n'est pas mal. Mais ils ne valent pas Michel. Personnellement, ma petite chérie, je me plaçais sur un plan sportif. Nous aussi? Oui, bien sûr, bien sûr. Je crois que les Alpines Vaillant ont toutes les chances de gagner. Surtout qu'elles sont pilotées par Michel Vaillant. Mon père, à l'époque, a eu beaucoup d'ennuis avec différents éditeurs des grosses maisons, le Lombard, Dargo, puis Novedi. Et finalement, on a pris la décision de s'auto-éditer, de créer Graton Éditeur. C'était évidemment du travail en plus et un risque important, mais ça permettait d'être libre quant au choix des sujets des albums, quant au rythme de parution. Juste avant, quand même, les dernières années chez Dargo et Novedi, mon père devait dessiner 5 albums par an. C'était de la folie point de vue rythme de travail, c'était de la folie point de vue qualité du dessin et des albums, et c'était de la folie point de vue fiscal, puisque qu'il en fasse 2 ou qu'il en fasse 5, finalement, ça ne change absolument rien pour lui. J'ai créé Graton Éditeur en 82, donc j'étais d'accord de m'embarquer dans Graton Éditeur à condition que je puisse continuer ce qui me passionnait et qui était l'écriture, la photo, le reportage. Alors, je remarque même pas que je suis là. C'est là, je vais dire. We'll be right back.
pour ça, je tiens plus de Tintin que de Michel Vaillant, c'est vrai. Alors c'est quand il a été faire un voyage au Vietnam qui m'a ramené un sujet de scénario qui s'est appelé La Piste de Jade et qui moi m'a énormément plu parce que ça me changeait totalement. Ça me permettait de dessiner autre chose que mes mêmes décors, de dessiner d'autres personnages comme ce vieux chinois, cette petite vietnamienne, et ça a tout de suite accroché. Alors je me suis dit si c'est ça, tu continues. Tu es plus jeune que moi, bah, ça fait 40 ans que je fais toujours mes scénarios, je risque de me répéter, et puis tu vas bien sans nouveau, quoi, c'est tout. Donc à partir de maintenant, c'est décidé, Philippe est mon scénariste officiel. Petit à petit, je crois qu'on va arriver à voir un, non pas un nouveau Michel Vaillant, mais avec des scénarios plus dynamiques peut-être. C'est la mode, hein, le cinéma, la télévision, il faut que ça bouge. La première apparition de Michel Vaillant dans le journal Tintin, c'est en 1957. Le premier album est sorti en 59 et aujourd'hui, on en est au 63e album qui vient de sortir. Entre-temps, il y a eu environ 20 millions d'albums vendus dans une trentaine de pays différents. Tout ce qui est travail de coloriage et d'image se fait dans Photoshop et tout ce qui est travail de mise en page se fait dans Quark. Je vais amener la couleur. Je vais chercher dans mes couleurs la couleur qui correspond à ce trait-là. Voilà, hop, je la mets derrière mon trait et voilà. Et en fait, ce qui se passait avant, c'est qu'on recevait une feuille de papier sur laquelle il y avait tout ce coloriage et il y avait dessus un film transparent avec le trait du noir et le coloriste était là, il soulevait le film, il mettait un peu de peinture puis il rabaissait le film pour voir ce que ça donnait sans que ça touche évidemment pour ne pas avoir de taches. Là, j'ai ma page. Après, je vais remplir les bulles. Je vais mettre dans la bulle un bloc texte. Hop. Et ensuite, je vais chercher le texte que Philippe a écrit, que voici. Ce texte doit être écrit comme Jean Graton l'aurait écrit lui-même à la main. Alors, je le transforme en typo, enfin en police de caractère Jean Graton. Et voilà, Jean Graton vient d'écrire une bulle. Ce qui est extraordinaire maintenant, c'est que Jean Graton écrit en français, en néerlandais, en anglais, en russe. Non, pas en russe, ça je ne l'ai pas fait en russe. Pas dans toutes les langues. Avec Graton Éditeur, on a fait des tas de choses pour Michel Vaillant que jamais aucune autre maison d'édition, aucune grosse boîte avec des tas d'auteurs dans leur catalogue n'aurait fait pour un auteur particulier. Le fait de lancer les dossiers Michel Vaillant qui sont hyper pointus, passion automobile, qui sont des histoires vraies, la série spéciale Vaillant Honda, la fabrication des Vaillantes pour le Star Challenge, le fait que des stars de la télé, du sport courraient sur des Vaillantes, jamais on n'aurait eu ça en restant dans une grande maison d'édition. Attendez, tous les pilotes de se retourner. Retournez-vous. Ah, c'était au mois de avril, je crois. Il m'a dit, tu sais, papa, au Mans, dans un mois et demi, tu as une Vaillante qui court. Bon, je regarde d'un air étonné, qu'est-ce que c'est ce truc? Alors il m'explique. J'ai pris contact avec Yves Courage en France. On en a discuté. Et en ce moment, ils sont en train de réaliser une Courage Vaillante, ou Vaillante Courage, comme on veut, qui va participer au Mans. Et je crois que c'est moi qui lui ai dit, essaye d'avoir le numéro 13, tant qu'on y est, ça serait bien. Ça s'arrangeait parce que Courage lui-même l'avait eu, le 13. J'ai donc été au Mans, j'ai vu la voiture. Elle était très belle, la veille, je crois. Et puis je suis retourné aux 24 heures et j'ai assisté à la course.
course qui a été phénoménale pour moi, parce que c'est vrai, avoir décidé les voitures dans des cases sur du papier, c'est très bien, mais avoir sa voiture en course, c'est mieux, et on suit, on s'excite dès qu'il est en retard. Mon père a découvert la course automobile au Mans en 1937, et 60 ans après, une Vaillante courait pour de vrai aux 24 heures du Mans. Philippe m'a conduit à l'hôtel du Mans à minuit, parce que passer toute la nuit au Mans, c'était plus de mon âge. Lui est retourné sur le circuit avec sa compagne, ils sont arrivés à 11 heures, et la voiture était dans le stand. Et une voiture dans le stand au Mans, c'est mal parti. C'est qu'il y a vraiment des problèmes qui ne peuvent pas être réglés sur la piste. Les problèmes, c'était tout simplement le démarreur qui chauffait trop et qui ne pouvait plus repartir. Alors quelqu'un a eu l'idée d'employer la bombe qu'on emploie pour les sportifs, la bombe de froid, et chaque fois que la voiture devait partir, il aspergeait avec cette bombe et la voiture repartait. Mais il aura fallu 2 heures pour trouver ça. Et à ce moment-là, quand elle a pu repartir sans problème, elle était en 26e position. Et dans les 2-3 dernières heures, elle est remontée à la 4e place. Ça a été du délire partout dans le stand, dans les tribunes en face, parce que tout le monde suivait cette fameuse voiture. Quand elle est arrivée, qu'on a annoncé 4e, moi j'en avais le souffle coupé. Ah là, j'étais heureux. Et le pilote était content aussi, motivé par le fait d'incarner Vaillant. C'était la plus belle aventure de ma carrière. Vous savez, j'ai pas une profession comme un douanier, un inspecteur des finances ou un dentiste qui sont là pour embêter les gens. Non, j'ai toujours apporté un certain plaisir, au point qu'on me le dit maintenant, il y a des gens qui me remercient. Ça leur a peut-être apporté plus que je pouvais l'espérer. Hein. Alors qu'à moi, ça m'a apporté, vous en doutez, beaucoup de plaisir aussi à faire ce travail. Moi, j'aime bien Jean-Pierre Vaillant, le frère, parce qu'il s'efface par rapport à Michel, mais en même temps, c'est le travailleur de l'ombre, c'est celui qui cumule les fonctions de team manager, d'ingénieur, etc. Bien sûr, j'aime bien Françoise, ça c'est sûr, mais je l'aime beaucoup aussi avant qu'elle épouse Michel Vaillant, parce que c'est une véritable chipie à ce moment-là. J'ai bien un peu d'admiration pour cette jeune femme qui se déguise en pilote et qui, de façon assez peu réaliste, démontre qu'elle est une pilote fantastique. J'aime beaucoup le père. Oui, vraiment, j'aime beaucoup le père chez moi parce que c'est un vieux comme moi. Ah ben évidemment, j'ai un petit faible pour le petit côté foufou de Steve Warson. Bon, Michel Vaillant est un héros parfait, extrêmement sympathique, etc. Mais évidemment, la fantaisie de Steve Warson me ressemble un peu plus. Beh, ovviamente lui, perché era sempre, che vincesse o che perdesse, era comunque vincitore, perché c'era sempre qualche cosa che succedeva che lo metteva sotto una luce positiva. Moi, c'est les méchants, mais ils sont pas assez méchants, hein, c'est évident. Ils sont pas assez méchants, on n'est pas assez méchants avec ce garçon, on devrait être plus méchants. Il m'arrive de relire des histoires, puis je les trouve bien, hein. Je m'amuse bien. Thank you.